Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon sur Lingoni. The topic of the day will be the different rooms in a house. We'll go over all the rooms we can usually find in a house or a flat and I'll describe what can be found in these rooms and what people usually do in there. Don't forget to take some notes if needed and let's get started! Pour commencer, faisons une liste de toutes les différentes pièces de la maison. L'entrée, le hall d'entrée, le salon, la salle à manger, la cuisine. Les chambres à coucher, la chambre parentale, les chambres, la chambre d'amis, la salle de bain, les toilettes, le débarras ou le cagibi, la buanderie, le bureau, le dressing, la véranda, le grenier et la cave. Quand on rentre chez soi, la première pièce que l'on trouve en général est l'entrée. On accroche son manteau ou sa veste au porte-manteau ou encore son parapluie et on enlève ses chaussures. On peut aussi poser ses clés sur un meuble ou les accrocher. Un crochet. Parfois, on range les chaussures dans un meuble à chaussures. Le salon est ce qu'on appelle un lieu de vie, une salle de séjour. On peut y lire, y discuter, faire une sieste, écouter de la musique, étudier, regarder une série, un film ou un documentaire à la télévision, ou encore boire un thé et travailler sur son ordinateur portable. En général, dans le salon, on trouve un canapé ou un sofa avec des coussins, ou quelquefois une couverture, ou un plaid pour se couvrir en hiver. Il peut aussi y avoir un fauteuil, une table basse, une bibliothèque avec des livres, une encyclopédie ou un dictionnaire. La salle à manger est séparée du salon et c'est en général l'endroit où l'on mange les différents repas de la journée. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter aussi pour certains, et le dîner. On y trouve donc une table et des chaises et sûrement une fenêtre avec des rideaux, peut-être un balcon aussi. La cuisine aussi est une pièce fondamentale de la maison. C'est souvent plus que la pièce où l'on cuisine, c'est-à-dire c'est souvent plus que la pièce où l'on fait juste à manger. Il y a généralement un four et ou un four micro-ondes, un réfrigérateur appelé communément frigo pour ranger les courses, avec un congélateur ou plus familièrement un congélo pour conserver les surgelés et les glaces bien sûr. Une plaque de cuisson pour cuisiner de bons petits plats. Faire des œufs au plat, des pâtes, du riz, des soupes, etc. Il y a aussi un évier avec un robinet et une éponge avec du produit vaisselle pour faire la vaisselle. Il y a des placards pour ranger toute la vaisselle. Les assiettes, les verres, les bols les casseroles, les poils, et puis tous les produits alimentaires qui ne vont pas au frais, comme les céréales par exemple, le sel, le poivre, le sucre, les épices en général, etc. On met aussi les couverts, couteaux, fourchettes, cuillères, dans un tiroir avec d'autres accessoires utiles comme un tire-bouchon ou un ouvre-bouteille. Certains ont un lave-vaisselle. Et aussi le lave-linge ou machine à laver dans la cuisine. Il est aussi très commun d'avoir une table dans la cuisine avec des chaises ou des tabourets pour prendre son petit déjeuner le matin et les autres repas aussi. Now it's your turn to tell us about what your house looks like. And of course, for some more practice, you can go to lingoni.com, subscribe and find lots of exclusive videos, PDF worksheets, podcasts, and interactive exercises. You will be able to improve your reading, writing, and listening skills in French and even practice pronunciation. See you soon guys, bye-bye!